Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir la voiture de NASCAR dans Roblox, ce qui est un nouveau objet gratuit qui fait partie de l'événement de NASCAR. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo et donc la continuons la vidéo. Alors d'abord, il faut juste rentrer dans le jeu de Hub de Vitesse NASCAR et donc les liens du jeu seront dans la description si vous voulez rentrer. Et en fait, dès que vous êtes dans le jeu, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une course et il faut faire une tour qui va durer moins de 30 secondes pour avoir l'objet. Et en fait, ce que je vous conseille de faire avant de vous lancer, c'est de venir ici et interagir avec votre voiture. Et là en fait on va juste cliquer sur performance et on va améliorer au moins une étoile par option. Donc on va prendre la vitesse, on va l'améliorer. Mais puisque j'ai juste deux de ces jetons ou je sais pas ce que c'est, ça coûte 200 ici, il faut que je fasse plus d'argent. Donc en fait ce que je vous conseille de faire pour ramasser l'argent dans ce jeu, c'est de faire la course qu'il y a dans le jeu et juste ramasser tous les jetons que vous voyez sur la piste et vous allez faire de l'argent comme ça. Donc oui, c'est assez simple à faire, juste faites plusieurs tours jusqu'à que vous avez assez pour améliorer vos trucs. Donc voilà, je suis de retour, j'ai ramassé pas mal de pièces pour acheter des trucs. Donc là si je clique sur performance, je vous conseille de vous concentrer sur tout ce qui est accélération et nitro, comme ça vous pouvez avoir plus de vitesse sur la voiture. Mais ce que je vous conseille, c'est que si tout en haut vous voyez que c'est marqué all claimed next trial in 43 minutes, donc en fait ça veut dire que tous les 500 voitures que vous pouvez avoir chaque heure ont déjà été réclamées et vous pouvez réessayer dans 43 minutes. Donc en fait voilà, il y a 500 voitures par heure. Donc voilà, il faut que vous tentez de le faire le plus vite possible pour avoir votre voiture. Et c'est pour ça ce que je vous conseille. En attendant, juste ramasser des pièces avec le mini-jeu et améliorer votre voiture jusqu'à que vous pouvez rejouer et faire en moins de 30 secondes. Ok, donc là qu'on fait voir, il y a le compte à rebours qui va se terminer. Il reste juste quelques secondes qu'on fait voir. Et donc voilà, là il y en a 500 que je peux avoir. Donc je vais juste commencer la course. Et donc je pense que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il faut juste partir comme ça et il faut le terminer en moins de 30 secondes pour le recevoir. Donc voilà, en fait ce que je vous conseille de faire, c'est de maintenir votre doigt sur le shift parce que vous allez aller plus rapidement. Vous allez voir qu'il y a votre boost là et voilà, en gros vous pouvez faire comme ça. Et je pense que c'est assez simple à faire en moins de 30 secondes dès que vous avez tous les trucs améliorés, parce que moi j'ai amélioré tout à 5 étoiles. Donc voilà, là vous pouvez voir que je vais le faire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait en moins de 30 secondes. Donc là ça c'est garanti que je vais avoir l'objet. Et c'est pour ça, je vais juste terminer la course. Et voilà, il faut que je la termine, il faut que je fasse 4 tours. Mais voilà, tout ce qui importe, c'est que notre premier tour soit fait en moins de 30 secondes. Mais voilà, je vais juste vous laisser regarder comment je termine cette course. Et donc voilà, là qu'on fait voir, j'ai terminé la course et normalement je vais recevoir la voiture. Donc voilà, en fait là ils me disent qu'ils vont prendre en compte le score que j'ai fait et voilà, je vais juste attendre pour qu'ils prennent mon score en compte. Et donc là qu'on fait voir, je l'ai bien reçu, j'ai reçu le badge et j'ai aussi reçu la voiture. Donc voilà, ici en haut c'est marqué que je l'ai réclamé. Donc c'est comme ça que vous faites pour obtenir la voiture. Et donc c'était tout ça pour aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous l'avez aimé, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous rejoindre à mon serveur Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine.